La réciprocité, je suis certain que vous en avez entendu parler. Elle est présentée très souvent, à juste titre d'ailleurs, comme la solution pour diminuer les risques de fracture. On a tendance à associer la réciprocité à une certaine gamme d'instruments. Mais saviez-vous que l'on peut utiliser la réciprocité avec tous les instruments du marché Eh bien, c'est le sujet que je vous propose d'aborder dans cette 94e réponse d'expert. Ce n'est plus un secret pour personne. En endodontie, il y a deux choses qui peuvent engendrer la fracture d'un instrument. La première, c'est la fatigue de l'instrument. La fatigue, elle survient lorsque l'instrument subit, subit et subit encore une même contrainte qui va finir par le conduire à la fracture. Le meilleur exemple, pour l'illustrer, c'est le fameux trombone que l'on plie et replie pendant une conversation téléphonique un peu longue ou pénible. Et ce trombone finit par céder. Le deuxième type de fracture est la fracture à la torsion. Imaginez un instrument en rotation et sur lequel on appuie jusqu'à bloquer la pointe. La pointe n'avance plus, mais on continue à lui imposer un mouvement de rotation. Finalement, l'instrument va céder juste au-dessus de la zone qui est coincée. Pour éviter la première, il est donc préférable de limiter à un traitement, un traitement l'utilisation d'un instrument. Pour éviter la seconde, il faut, faire, il faut tout faire pour éviter que le, la pointe ne se bloque. Évitez donc d'appuyer dessus et surtout vérifiez que le canal à mettre en forme est perméable. Quitte même à le préélargir avec un préélargisseur. La réciprocité est un mouvement qui alterne des rotations dans un sens puis dans l'autre sens de façon répétée. Les premiers instruments à avoir exploité ce mouvement sont ceux qui étaient utilisés avec le gyromatique qui produisait un mouvement alternatif dans le sens horaire et antihoraire mais avec des amplitudes égales. On comprend alors que finalement l'instrument ne pouvait pas avancer et qu'il fallait appuyer dessus et donc risquer de le fracturer. Avec la réciprocité actuelle, dite asymétrique, le mouvement efficace, donc dit de coupe, à une amplitude supérieure à celle du mouvement de désengagement. Ainsi, la résultante permet à l'instrument de progresser en direction apicale et de procéder à la mise en forme et à l'élargissement canalaire sans avoir à pousser dessus. On comprend parfaitement ce que la réciprocité apporte dans la prévention de la fracture instrumentale, au moins à la torsion. Apparue en 2011, la réciprocité est arrivée sur le marché avec deux systèmes dédiés, le Wave One et le réciproque L'accent alors a été mis sur l'intérêt du mouvement, laissant penser que seuls ces deux instruments pouvaient être, pouvaient être utilisés avec ce mouvement. En fait, ils étaient vendus avec un moteur qui produisait un mouvement de réciprocité sans possibilité de modifier les paramètres. Le mouvement imposé à ce moment-là associait une rotation en anti-horaire de 130 degrés, suivie immédiatement d'une rotation de 30 degrés en sens horaire. La résultante est donc un mouvement de 100 euros en sens anti-horaire. Pour que l'instrument soit efficace, il fallait alors que le pas d'instrument soit inversé. Et ces deux instruments mis sur le marché n'étaient autres que des instruments de rotation continue dont le pas a été inversé à la fabrication. Si vous ne savez pas ce que c'est que le pas, c'est facile à comprendre. Si vous voulez visser une vis dans un mur, vous devez l'animer d'un mouvement de rotation horaire. Tout simplement parce que la vis a un pas à droite. Si on inverse le filetage de la vis et que l'on décide de lui donner un pas à gauche, alors pour la visser, je devrais la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans le mouvement de réciprocité, pour que l'instrument puisse progresser dans le canal, il faut donc qu'il ait un pas à gauche avec le fameux mouvement. C'est pour ça que les instruments de rotation continue simple ne sont pas utilisables en réciprocité et que seuls quelques instruments, tels que le wave one, le réciproque ou encore l'excalibur chez Arc sont utilisés en réciprocité. En fait, ceci était vrai tant que les moteurs produisaient un mouvement de réciprocité étaient bloqués. En effet, si vous utilisez un moteur Xmark Plus ou un moteur réciproque de chez Densply, vous ne pouvez pas modifier les valeurs des angles de rotation. En revanche, la très grande majorité des autres moteurs disponibles sur le marché actuellement offre la possibilité de modifier tous les réglages angle, vitesse, contrôle de torque, que ce soit pour la rotation continue évidemment, mais également pour la réciprocité. Je suis sûr que le moteur que vous avez propose cette option mais vous ne le savez pas. Si c'est le cas, vous pouvez utiliser vos instruments de rotation continue avec un mouvement de réciprocité. Est-ce que cela a un intérêt Personnellement, j'en ai trouvé un pour le préélargissement des canaux très fins avec le Z-Glider de chez Arc. Cet instrument est utilisé en rotation continue après le passage d'une ligne manuelle K10 à la longueur de travail. L'objectif est de préélargir le canal pour faciliter la progression des instruments de mise en forme. Dans certains cas, le canal est tellement fin. Que l'on sent que l'instrument est en contrainte et mon stress est alors de fracturer cet instrument dans le canal très fin. Pour remédier à ce risque de blocage, j'utilise donc cet instrument qui a un pas à droite avec un mouvement de réciprocité que j'adapte. Pour ce faire, j'utilise les réglages suivants angle forward, 150 degrés angle reverse, 30 degrés la vitesse, 300 tours par minute le contrôle de torque à 3 N par centimètre. Ainsi, on voit l'instrument qui progresse finalement bien mieux qu'en rotation continue et en alternant le sens de rotation, le risque de blocage et de fracture est très réduit. Voilà, il s'agit d'une petite astuce clinique qui me rend bien service au quotidien, en sachant que ce que je fais avec le Z-Glider est bien évidemment transposable à tous les autres préélargisseurs et même aux instruments de mise en forme. Il vous faudra juste tester sur des simulateurs les différentes options pour voir laquelle est la plus efficace. Ceci démontre une fois de plus que lorsque l'on comprend ce que l'on fait, on peut très facilement innover sans prendre de risques. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment à continuer à vous former en permanence, parce que connaître c'est savoir et savoir c'est savoir-faire. A très bientôt